Un abatteur est payé jusqu'à 200 francs par jour, nourri, logé. C'est le salaire syndical? C'est beaucoup plus que le salaire syndical. Qui est de combien? Qui doit être de 168 francs, quelque chose comme ça. Vous êtes chef de chantier maintenant? Maintenant. De quoi vous occupez-vous exactement? Je suis chef de chantier, ouais. On fait tout. Prospection, les routes, l'abattage, on tronçonne, on expédie, on fait les chargements sur les camions. Faites les routes? On fait les routes aussi, ouais. Quand vous quittez un chantier, les routes restent? Ah, les routes, elles restent. Propriété de l'État, là. Propriété de l'État. Mais comme elles ne sont pas entretenues, c'est fini. Pourquoi ça n'est pas entretenu? Personne ne veut s'en occuper. Ça ne les intéresse pas. Les gens du pays, ça ne les intéresse pas? Ils n'ont pas de voiture, les gens du pays. Alors, ils s'en occupent pas. Ils laissent les ponts, tout ça, ils font pas un pont. Les gens du pays, précisément, ne travaillent pas pour vous, je crois. Non, on n'est pas spécialement aidés par eux, quoi. Mais vos manœuvres viennent d'où, alors? Tous les manœuvres, ils viennent en principe, pour la plupart, de Haute-Volta, quoi. C'est tout des gens du Nord. Des Mossi? Des Mossi. Pourquoi les Ivoiriens, ça les intéresse pas de travailler dans la forêt? Oui. Non, c'est pas une nature à travailler comme ça, quoi. Les gars, ils mangent ici, tout pousse. Non, l'arbre à lait n'existe pas encore en Côte d'Ivoire. Ce qui coule dans ce pot, c'est le latex, vulgairement appelé caoutchouc, et ces arbres sont des EVA. Diversifier les cultures, faire autre chose que du café et du cacao, c'est le mot d'ordre en Côte d'Ivoire. Aussi, deux importantes sociétés françaises, fortes de l'expérience acquise en Indochine, ont défriché des milliers d'hectares de savane pour y planter des EVA, venus d'Indochine par avion. Cet exemple pourra-t-il être suivi? Existera-t-il un jour une EVA culture africaine? Certainement pas au niveau de l'exploitation individuelle ou familiale. Car, pour que ces EVA d'un an produisent du latex, il faudra attendre 7 ans. 7 ans de patience, c'est beaucoup, même pour la légendaire patience de l'Africain. Une petite ville de Brousse, à 200 km d'Abidjan. Cela s'appelait autrefois une subdivision. Depuis l'indépendance, ça s'appelle une sous-préfecture. Il y a maintenant en Côte d'Ivoire 100 sous-préfets pareils à M. Saïta Gro. Son aspect sympathique et aussi peu officiel que possible m'autorise à lui poser une question peut-être indiscrète. Au cours de ce voyage, j'ai partout entendu dire aux employeurs, qu'ils soient africains ou qu'ils soient européens, qu'ils préféraient employer des manœuvres étrangères, essentiellement des voltaïques. Est-ce que cela voudrait dire que les Ivoiriens n'ont pas de goût pour les durs travaux? Ben, sur cette question, je voulais vous dire tout de suite que ce n'est pas parce que l'Ivoirien n'a pas de goût pour les gros travaux, mais l'Ivoirien ne peut pas, étant donné que l'Ivoirien lui-même a ses propriétés, il lui est difficile de s'attacher résolument à un travail, soit par exemple sur la plantation d'un Européen, alors que sa propre plantation à lui a besoin d'être entretenue de temps en temps. Vous représentez le gouvernement central. Oui. Je pense que comme ailleurs en Côte d'Ivoire, il existe des chefs traditionnels, des chefs coutumiers qui n'ont pas renoncé à leurs prérogatives. Ah oui, oui exactement. Et à Tiassalé, il en est de même. Ouh. Le système matriarcal existe encore et les chefs d'avance, on connaît qui sera chef demain. C'est ça. De sorte que la question de chefferie est encore sa puissance sur la population ici. Ce petit village n'est qu'à 20 km d'Abidjan. Pas de boutique, une seule enseigne, assez inattendue. Le prophète est assis au centre entre ses deux épouses. Il parle mal le français. C'est son interprète qui va nous délivrer son message. Il a eu une clairvoyance divine, il vous dit détail d'avance la maladie que vous avez. Vous êtes atteint de telle maladie, mais ce n'est pas quelqu'un qui vous a donné, ni Dieu non plus. Mais vous l'avez acheté de vous-même, c'est-à-dire que c'est venu de vous-même. Dites ce que vous avez fait et moi je serai votre interlocuteur vis-à-vis de Dieu par ma prière et il vous pardonnera. C'est ainsi que le bonhomme se met à se confesser. Tout cela existe et freine terriblement la marche de la Côte d'Ivoire vers le progrès. Mais tout change très vite dans ce pays, jeune, doublement jeune. La moitié de sa population a moins de 20 ans. Et sur les enfants qui sortiront de ces écoles, M. Acho Albert, prophète, n'aura plus qu'un seul pouvoir, les faire rire. Les plus doués de ces enfants, c'est au lycée classique d'Abidjan qu'ils iront poursuivre leurs études. Cet établissement qu'enviraient bien des pays d'Europe peut recevoir 1300 élèves. 200 d'entre eux seulement sont français ou françaises, les autres sont les Africains, venus de tout le pays et pour la plupart boursiers. Un boursier est logé et nourri, il a droit aux vêtements et aux livres. Il a aussi le devoir de travailler. J'ai demandé au proviseur ce qui lui arrive à ce boursier, si à la fin de l'année, ses notes sont insuffisantes. Alors là, les mesures sont assez brutales.
Il perd ce qui est essentiel ici, la nourriture et le coucher. Ce qui fait que s'il n'est pas d'Abidjan, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, s'il n'est pas d'Abidjan, eh bien, il doit solliciter la bienveillance d'amis ou de parents ou de personnes de son même groupe tribal, de correspondants. Oui. Correspondant en France. Et il est fréquent qu'un député ici ait une dizaine de jeunes pupilles qu'il connaît à peine, mais qu'il doit héberger, c'est la tradition, c'est ce qui se passe partout. C'est pour ça qu'on voit si souvent en ville des élèves à la Clarté des Réverbères, étudiants. C'est ça. Ces élèves qui sont hébergés chez des correspondants n'ont pas de locaux pour travailler, ils vont parfois travailler dans la rue. Ce qui témoigne à la fois de leur pauvreté, mais surtout de leur désir d'instruction. Oui, ils ont un grand désir de s'instruire, c'est certain. Mademoiselle, que voulez-vous faire dans la vie? J'ai l'intention de faire une licence de français en vue de professer. J'envisage de devenir plus tard un médecin. Je voudrais préparer une licence d'anglais. Moi, j'aimerais bien faire une école de secrétariat de direction.